préparateur. Ouais. Bah, Bah moi je vais partir en repérage, ouais, avec eux. les quatre zozo chasseurs. Stevin, Maria et Juan, moi-même. Parce qu'on est d'accord que l'île est bien plus grande que celle qu'on a rencontrée juste avant, en termes de Ah superficie. oui. Ah oui. On va en avoir. Là, il y aura potentiellement du gibier. Alors ouais, moi je pensais refaire l'équipe de chasse, mais genre pas avec toi à leur tête, quoi. J'aimerais bien que tu viennes avec nous pour la partie Exploration. exploration chasse au trésor, tu vois. Ok, si tu veux, oui. Moi je dis on laisse quelques personnes, enfin autant de personnes qu'il faut pour que le bateau reste à flot. Le reste, ils viennent avec nous sur l'île et on les dispatche avec nous. Et d'autres qui vont chercher à boire et à manger, et nous on va explorer l'île. De toute façon, le bateau là, il est pas fini d'être réparé, je suppose. Oui, on laisse Bah, tout crever. ça a progressé, ça a progressé. Il lui reste quelques petits dommages, ouais. Après, là, vous êtes à peu près à 50. Le navire a pas largué long très loin, vous êtes à peu près à 50 mètres. Après, c'est combien de personnes vous voulez amener avec vous, en fait. J'ai compris qu'il y a une équipe qui partira à la chasse. C'est ça. Une équipe à Sur la une chasse. grande île inexplorée. D'accord? Donc ils vont partir à la chasse. Mais les autres, et qui. Bah, du coup, là, d'après ce que j'ai compris, nous quatre, avec Juan, on Alors ouais, part. il est dans l'équipe de chasse là. Ah, et dans l'équipe de chasse? Sinon, on fera la chasse plus tard et puis là on prend les cadors pour partir en exploration quoi. En tasse de vin, on prend Fat, Angie. C'est qu'il y a d'autres qu'on pourrait prendre. La croix. La croix, pourquoi pas. Ouais, on prend tout le monde, mais moi ce que je voulais dire, c'est que si jamais le volcan se réveille et qu'on doit partir vite, on n'aura rien pris sur l'île. C'est tout, je propose. Après, si vous voulez absolument partir à l'exposition tout de suite, y a pas de souci. On On peut au attendra moins pas. faire du repérage. On peut au moins faire du repérage. On n'est pas obligé d'explorer toute l'île maintenant. Ah oui, d'accord. Non, je pensais qu'on partait pour une grosse expédition si on partait. Ouais, mais ça veut dire du coup rester plusieurs jours sur l'île. Je te rappelle qu'on a déjà plus à manger. Ah oui. Bah, c'est pour ça que je voudrais quand même qu'il y ait une petite équipe qui chasse. Je veux dire, bah, c'est une île, il y a une jungle et ils vont bien réussir à trouver quelque chose. Ouais. Puis on prend le plus gros de l'équipage avec nous, quoi. L'île, pour le coup, elle est grande, hein. C'est que là, vous êtes sur une île. Elle fait bien le triple de l'autre, hein. Ouais, bah, je compte sur eux pour pas se perdre quand même, c'est. Non, 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 bien sûr. Ce serait Ce bête. que, ce que, ce que, ce que je mentionne, parce que vous êtes quand même des personnes habituées aux Caraïbes. Les îles en moyenne, c'est bien parce que effectivement il y a de la nourriture. C'est pas forcément très sûr. Par contre, vous savez pas ce qu'il y a sur l'île. Oui. Sur une petite île, ça évite des risques. Hein. Sur une petite île comme la première, à la limite. Maintenant, et si par exemple, je ne sais pas, s'il y a des habitants ou des bêtes sauvages, vous ne savez pas ce qu'il Ouais. y a sur l'île en fait. Ok, mais Surtout c'était des combien habitants. En pour... général, ce qui massacre les colons, comme vous, c'est en général, c'est les locaux. Et c'est pour Et ça... même sur des villes où il y a, à votre époque, ou 1664, c'est pour tout vous dire, sur des îles comme Cuba, vous allez au cœur de l'île. Vous vous faites massacrer encore. Il y a des ports hein, pourtant, mais sur la côte, à l'intérieur, vous vous faites massacrer par des indigènes. C'est ça que je disais, on fait juste une exploration légère au début. Là, on explore les environs de la plage. Une fois qu'on a fini d'explorer, à la rigueur, on part en chasse rapidement avec ce qu'on aurait pu repérer, par exemple. Et ensuite, on s'enfoncera plus loin plus tard, quoi. Peut-être même le lendemain.
Et de toute façon, C'est plus le simple. Je pense que Daniel, c'est ça ce que tu dis, Bourbon. Daniel, il va pas nous conduire directement. Ah, Daniel, tu lui demandes. Si, si, bien sûr, que dès que vous voulez, je vous conduis. Je vous amène à la cage du capitaine. Parce que voilà, Nous on y va allons. pas. Normalement, on n'est pas parti pour explorer au petit bonheur à la chance, quoi. Ah non, 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 je connais le chemin. Vous inquiétez pas. Et donc, du coup, c'est loin ou pas de cette... Oh, non, non, non. Quelques. 1 ou 2 heures de. 2 heures peut-être de marche. Il faut combien de personnes sur le bateau pour le... Je me souviens plus, parce qu'on avait déjà C'est fait ça. marqué. C'est pas 5, je crois. 5. Non, pour... non, non. Pour le manœuvrer. Neuf, je crois. Non, pour le garder à flot, là. Ah bah, pour le manœuvrer. Ouais. C'est marqué. C'est marqué sur votre navire. VM, c'est ça? Manœuvre 8. C'est marqué équipage, manœuvre 8. C'est le Ok. minimum qu'il vous faut pour. Ah oui, c'est bien. C'est le minimum vital pour manœuvrer le bateau. Attention, manœuvrer. Ok. Qu'à la manœuvre. Ouais, bon bah. Alors, dans la suite sur le bateau. Ce qui Il est fait qu'on 21h. débarque à autant qu'on peut, donc à 17. Ouais. Et on envoie certains à la chasse et nous on va avec Daniel chercher. On en envoie 10 à la chasse, qui puissent. Non, peut-être pas 10, mais genre 5 ça suffit quoi. Ouais, mais non, qu'ils soient safe. On les envoie à 10 à la chasse. Et nous 4. 4, on en prend 3 avec nous, plus le vieux, et on va chercher le trésor. Et les autres ils font quoi? Bah, c'est tout. 10 à la Ah chasse, nous, d'accord. on va chercher le trésor, et 8 qui restent sur le bateau. Ah oui, ouais. Quand... Très bien. Quand vous débarquez, qui débarque en premier? Bah, le capitaine. Ouais. Un capitaine, Kaolo. Ah, tu veux dire pour la première barque? Oui, parce qu'il faudra forcément un aller-retour, quoi. Puis vous êtes, en gros, il vous faudra 2 voyages, quoi, pour la première moitié, puis la deuxième moitié. C'est qui débarque en premier? Donc Kaolo, à la tête, tel Christophe Colomb, à la tête de Ça barre. sa chaloupe. Bah nous et Daniel avec Payne. Ah, c'est pas nous, c'est Non. toi si tu veux. Donc Ah. Ruby. Moi, je suis sur la chaloupe je vais avec le capitaine, moi, je vais pas D'accord, l'aider. Voilà. 3. Moi, je prends la deuxième vague, moi. Bonbonne, attends la deuxième vague. Ah, très bien. Donc, on va dire que 3. Donc, vu que tu es sur la première vague, la flamme va être sur la deuxième. Vous êtes ouais entre 50 et 100 mètres du rivage. Après tout, vous n'êtes pas très loin. La chaloupe avance doucement sur cette mer calme. Et enfin, la chaloupe touche le sol. Vous pouvez débarquer sur ce sable noir. Magnifique ce sable. Magnifique. Et c'est alors que tu peux, ben, Lys, tu vas pouvoir me faire un test de cœur plus perception plus nature. En fait, c'est des fourmis mangeuses d'hommes. Je peux faire le test aussi ou pas? Non. Il n'y a que Lys qui peut faire le test. Oh. Non mais moi je veux plus jeter de dés à Capitaine Vaudou, j'arrête. Ouais, c'est dramatique. Tu te sens mal à l'aise et c'est tout. Tu te sens pas à ton aise. Et t'as peut-être confirmation puisque à ce moment-là, bah bonbonne toi qui es à bord du navire, mais également ceux qui sont sur le sable, hein, vous l'entendez. Onipi à la vigie. Un hurlement de la du
La personne qui est à la vigie, le mousse, le jeune garçon mousse qui est à la vigie et qui hurle. Quelque chose se rapproche! Quelque chose se rapproche! Tout le monde regarde, vous ne voyez rien. Et puis, il pointe son doigt et il dit: Au fond de l'eau, quelque chose se rapproche! Qu'est-ce que vous faites? Eh ben on fonce sur la terre, non? Si ça vient dans l'eau, le truc. Ah, vous êtes à terre, ça tombe bien. Ben on s'éloigne le plus possible de l'eau. Enfin, moi je. Donc, glisse, t'éloigne de l'eau. La personne qui hurle, elle est sur le bateau, hein, quand même. La flamme, la flamme qui est, la flamme est toujours est à bord avec moi là, au final. Mais c'est toi, dans l'immédiat, qu'est-ce que tu fais, en fait? La flamme, elle va réagir aussi. Je sais, mais justement, je vais voir avec la flamme. Tu crois à la conscience des animaux ou pas? Parce que moi, pas du tout. Et, bah, Anne, regarde. Ouais, j'y crois pas depuis le début. Prends Ok. le pas de combat! Je pars direct dans la souche, je commence à charger. Ah, vu que c'était ça qui était prévu, aussi, elle dit « Descendez les voiles! Levez l'ancre! » Mais c'est la panique, hein. Ça urge et finalement vous êtes à l'arrêt. Sur le sable, qu'est-ce que vous faites? À part Lys, qui s'éloigne? D'où des questions. Elle se fait la tête dans le sable, lisse. Vous avez il y a une chaloupe, autrement, mais... La chaloupe est On va encore faire là? autre chose. Ah bah oui, vous venez juste de mettre pied à terre, en fait. Ah bah moi je retourne au bateau. Tu remontes à bord de la chaloupe de Ah mais ton le. petit Attends, Carolo. moi j'ai rien compris en fait. En fait, le mec ne prévenait pas qu'on se fait attaquer nous. C'est eux qui se font Ah attaquer. non, non, il est en train de pointer quelque chose dans la flotte. Qui apparemment vous fonce. Enfin, qui voit qu'effectivement, ben, d'après lui, s'approche. Et surtout, je prends toujours le vieux avec moi. Je lui laisse pas le choix. Vas-y, c'est bizarre. Moi, je dis tout le monde saute et on se met sur l'île, hein. Donc, Ruby va sur l'île. Qu'est-ce que vous. Lys, tu changes d'avis ou Bah, pas? le vieux, mais moi j'aurais bien chopé Daniel parce qu'il faut lui amener l'œil à ce truc-là, s'il veut nous laisser tranquille. Daniel, c'était bon. Non! Non! Je peux pas y aller! Non! C'est la créature! Mais viens sur l'île, en douille. Oui, sur l'île! Il saute de la barque et il te suit, Lys. Dans la barque. Allez, vas-y! Donc, Kaolo, tu donnes l'ordre de quitte, retourner vers le bateau? Que fais-tu, toi, Kaolo? Oui, moi je prends tous ceux qui veulent et retourne vers le bateau. Bon, on lui J'essaie de dit, le défendre. allez-y, on va chercher la perle. Ah. Ah, Alors, j'en ai la pour perle, il deux vous a dit, heures, c'est à on 2 heures. court. Hein. Non, Ouais, mais c'est. au moins, on sera en train d'aller la chercher, quoi, et on pourrait peut-être leur ramener. Donc, c'est à 2 heures. Hein. À 2 heures, on a le temps de tous mourir, hein, je pense. La chaloupe donc, commence à quitter l'eau sur. Eh ben, mon cher bonbonne, alors si tu vas devoir me faire un test d'artillerie pour charger le canon rapidement, avec tant bien que mal, avec enfin, tes personnes qui sont avec toi. Sont présents, du moins. Voilà. Par action artificielle, je suppose, je m'égare pas. Action artificielle, action corps artificiel et artillerie. Alors, En action fait, artificielle, artillerie, et je rajoute un de il rapidité. faut 3 tours normalement pour charger un canon. Et je rajoute un de rapidité. Donc plus tu réussis, mieux tu réussis, moins ça va diminuer le temps, en fait. Et c'est pour un canon, hein, c'est pas pour une bordée. Mais après, la bordée. Enfin, on va dire que ta réussite, vu que tu donnes les ordres en même temps, va influencer le chargement d'un côté de la bordée. C'est pas mal. Tu commences à charger, tu n'as pas tout à fait fini de charger la bordée quand vous tous, vous avez commencé à avancer, vous, avec votre chaloupe. Hein, vous avez fait quand même déjà entre 20 et 30 mètres, presque. Pas loin de la moitié presque du chemin, entre un tiers et la moitié du chemin, quand tout à coup des tentacules sortent du navire, sortent autour du navire, et l'une
l'une vient frapper sa coque. L'un de vous va me lancer un D6. De vous qui? De ceux qui sont à bord ou de ceux qui sont... Alors on va dire que c'est celui qui est à bord. Bah oui, parce que la question est... Bonbonne. D6 tu as dit. Oui. Deux. Le bateau prend 2 points de dommage de coque. Et je vais faire un test. Deux. Ah, ça commence à sentir le caca là. Ah, ou alors tu les avais déjà rajoutés peut-être. Vous aviez que 2 points de dommage. Ah oui, non, alors c'est bon là. Ok. J'avais enlevé ce de réparation en fait. Ok, d'accord. Vous avez réparé. Et donc il y a, n'a pas beaucoup. Avec le choc, il y a 2 marins qui tombent à la mer. Kaolo, t'es à mi-chemin, vingtaine de mètres. Que fais-tu? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ils sont tombés de mon côté, les marins? Ah, ils sont au milieu des tentacules, pas loin du bateau. Il y en a un qui... aucun des deux, ce qui est un peu classique, aucun des deux ne sait nager. Il secoue les mains désespérément. Si tu veux essayer de les sauver, va falloir redoubler d'efforts et va falloir aider à la manœuvre. Ouais, bah c'est ça. Je vais aider les autres pour ramer et essayer de les choper au passage. Très bien. Tu vas me faire corps action artificielle. Est-ce que tu peux rajouter une compétence? Ben, tu peux rajouter du commandement, tiens. On va dire que avec les hommes que tu as, tu vas pouvoir rajouter en fait ton organisation va peut-être permettre. Ah, pareil. Plus tu réussis, une réussite permettra d'en sauver un. Après, pour en réussir deux, faudra au moins que t'aies MR3. Ok, je rame vraiment comme un bourrin, donc je vais y rajouter un point de. Un point de puissance. Vas-y. Ah, ce que je trouve plus commandement. Ok, c'est bon. Oh, MR8 vous ramez tellement fort que vous arrivez aux abords des deux hommes, heureusement qu'ils n'étaient pas très loin l'un de l'autre. Vous les hissez sur. Dans la chaloupe. Hein. Ah, merci, capitaine! Autour de vous, il y a ces énormes tentacules. Hein. La bête est monstrueuse. Alors que tu es prêt, toi, Kaolo, tu peux observer que finalement, elle a un petit air de famille avec toi, puisqu'effectivement, tu aperçois son œil, un orbite, l'un des yeux qui est complètement vide, et avec un liquide bleu visqueux qui s'en écoule. De votre côté, sur la plage, Daniel est un peu sur le cul, paniqué. Vous-même, qu'est-ce que vous faites, mesdemoiselles? Bah, franchement, nous on peut rien faire. Hein. Vous regardez. Bah, on fonce, non, mais on se met en route, non, pour aller chercher l'œil. De toute façon, on n'a pas de choix. Hein. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Je questionne Liz, je fais pourquoi il nous attaque, moi. On va chercher l'œil. Parce que là, pour moi, pour tenter d'éventuellement invoquer des forces qui apaiseraient cette créature, il me faudrait 1 heure, si j'ai bien compris. Donc ça ouais. Fait. On n'est pas assez sur l'île là pour faire. Alors pour vous interroger, hein, Daniel vous dit oui, c'est par là la perle. Vous montre il vous montre le volcan. C'est par là, c'est avec la forêt. Et à ce moment-là, vous allez me faire un test de corps plus perception, plus surnaturel, moins et un malus. Je vais vous donner un -2. Comme si j'avais pas assez.
Ah, bah, ça, je dis plus rien. Hein. Ah. Bon. Fidèle à elle-même, Lys a fait 10. C'est bon. Moi, on peut considérer que je fais 10 à partir de ce moment-là. Et 6. D'accord. Il vous montre, Daniel. Et puis, à ce moment-là, dans le sable, en fait, il y a toutes les deux. Il y a votre jambe. Vos jambes sont, vos deux jambes sont saisies. Vous êtes horrifié, vous voyez des mains squelettiques qui saisissent votre jambe. Non. Des mains décharnées, comme carbonisées, noires, qui se saisissent. Ça vous rappelle des souvenirs, et pas que des bons, effectivement. Et là, par contre, à votre grande surprise, Daniel, lui, n'est pas saisi par ses mains. Et il dit « Ah oui, mon équipage, tuez-les tous !» Et vous voyez d'autres mains qui sortent du sable. De ce squelette. Tout va bien. Tout va bien. Par veine, tu t'as quand même... la flamme donne les ordres, hein, essaye de partir, mais c'est désespéré vu les coups, vu la créature qui domine la mer autour de vous. Elle. Puis finalement, t'as fini de charger les canons. Alors, il y a eu quelques tirs de mousquet. Hein. Il y a des pirates qui ont tiré au pistolet, au mousquet, mais la créature, ça a l'air de rien lui faire. Et puis. Finalement, vous arrivez à enfin à charger les canons. Et c'est le moment. Que fais-tu une fois que les canons sont chargés, mon cher? Bah, j'aurais voulu attendre parce que tirer comme ça, c'est un peu, c'est même pas sûr qu'on tire au final. Ah bah si, là tu le vois clairement. Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai jamais vu ça donc... C'est imposant. Non, parce que, d'ailleurs je ferai un test après. Vas-y. Ce que je veux dire c'est que je vais attendre un moment donné où il y a une tentacule qui va venir retoucher le bateau pour tirer à ce moment précis. Pour être sûr de toucher le truc parce que les tentacules ça doit bouger dans tous les... Avec le bateau en plus de ça qui tangue au milieu, ça doit être mignon. Que je vais attendre le bon moment pour tirer en fait, je vais pas tirer comme ça à la volée. Ça c'est utiliser du précis aussi. Tout simplement. En fait. Ah bah si tu veux, voilà. Après, Kaolo pourra le faire. Tu peux faire un test de résistance, esprit, résistance surnaturelle. Moi ? Non, Kaolo. Ah, pardon. Et toi aussi, tu vas le faire. Avant ou après tirer ? Avant. Si... Alors tu m'as dit que c'était quoi ? Esprit ? Résistance. Donc Kaolo, il y a une résistance qui a rien. Esprit, résistance, surnaturel. Toujours le même choix dans ce genre de situation. Soit tu perds un EP. Soit tu ne perds pas d'EP. Mais tu auras un malus de moins 3 à ton tir d'artillerie. Non, je prends de l'EP. C'est étonnant. Oui, après, c'est le choix cornélien. Et tu fais... Mesdames, vous pouvez faire le même test en fait de. Difficulté ou pas ? Non, il n'y a pas de difficulté. Les tentacules sont grosses, hein, si tu veux. Toutes les chances de le toucher en fait. Mesdames, vous allez me faire un. Esprit résistance surnaturelle. Vous avez un bonus de plus 1, vous, puisque vous avez déjà vu des squelettes. Ça, c'est cool. Ouais, enfin bon, toujours moins. J'ai utilisé 2 points de précision. C'est beau. C'est nickel même. Au but ricoche, il touche 3 tentacules. Oh lolo. Donc, pour ces demoiselles qui font un échec, ben
soit vous avez un tour de... Vous n'allez pas agir dans l'immédiat. C'est-à-dire que ce sont les créatures qui sont contre vous qui agisseront en premier. Ou vous grillez un EP. Pour agir maintenant. Autrement, vous êtes à un moment un peu paralysé par la peur, en fait. Non, ça suffit, la peur, j'en ai marre. Avec ces squelettes, c'est bon, c'est fini. Ça rappelle que la dernière fois que t'as vu des squelettes, t'as failli mourir. Oui, bah voilà, bah je... Pendant que vous réagissez, les canons tonnent. La décharge des boulets qui s'éjectent de leur tube, viennent se frapper certains tentacules de la créature, voire la réussite. Il y a un boulet, celui du canon de l'artilleur bourbonne, qui a percuté directement ce qui semble être le crâne de cette énorme créature qui semble non pas être vaincue, mais rebrousser chemin sous la violence du tir et faire demi-tour. Je vais faire un dernier test. C'est plutôt réussi. Par chance, malgré les vagues tonitruantes qui se font, qui frappent le navire, aucun autre marin ne tombe. Et alors que la créature s'enfonce à bord du bateau, certains se rendent compte et hurlent dans... Alors, Kaolo, toi, ta chaloupe, tu es au bord du navire, hein, parce que tu as récupéré ceux qui sont tombés. Quelqu'un à bord du navire, peut-être la flamme qui montre la plage. Elle dit Capitaine, sur la plage. Et effectivement, il vous suffit à tous d'ouvrir le regard pour voir que c'est Lys et Ruby sont en prise avec vous voyez, quatre squelettes en train de s'extirper du sable et Daniel qui semble plus ou moins tout excité. Donc mesdames, que faites-vous? Bah moi du coup Lys a grillé un EP ou quoi? Ah bah on verra ouais. Après vas-y. Vas-y Ruby et on va. Du coup, moi, je vais essayer de me dégager et de shooter dans les mains pour accéder en fait à Daniel et lui mettre ma dague sous la gorge, en fait, et lui dire d'arrêter, de les stopper. T'essayes de t'extirper, très bien. Tu vas me faire un test. Corps plus action plus surnaturel et tu as un -1. Non, vas-y. Et du coup je mets de la puissance dedans. Très bien, tu utilises un point de souffle. Tu t'extirpes de ses mains et eh bien Daniel semble pas tellement ravi malgré son âge parce que lui il sort les deux couteaux qu'il a à sa ceinture et t'attend de pied ferme bizarrement. Ah oui, apparemment il a pas l'air enchanté. Alors Rose ouais bah tu menaces mais il a bien compris quand t'as vu arriver armé dans sa direction, il a bien compris tu menaces. Non mais je voulais qu'il arrête. Ouais. Lys, que fais-tu? Moi, je tente de m'extirper de ses mains squelettiques. Je tire sur ses poignets. J'essaye de briser des os. Tu les frappes en gros? Est-ce que tu les frappes ou d'accord? Bah, tout à fait. J'essaie d'éliminer celui qui me retenait quoi. Voilà. Je peux un grand coup de talon, un grand coup de
Alors, soit, voilà, comme tu veux, soit de la bagarre, soit à l'arme blanche si t'attaques à l'arme blanche. Ah, je donne tout ce que j'ai, de toute façon. Ouais. T'auras un moins 1 aussi. Oh, incroyable, c'est mon corps de la soirée. Ouais. Donc en fait, tu croises les mains, tu t'essayes de le frapper. Elle essaye de te griffer alors que le corps du squelette s'extirpe. Tu ne le blesses pas. Par contre, il t'a lâché, le short. Il te maintient plus, mais par contre, effectivement, tu te retrouves en prise avec lui. Tu le blesses pas, mais lui non plus n'arrive pas à te blesser. Enfin, aucun des deux, puisqu'il y a deux squelettes sur toi. Tout comme Ruby, hein, il y avait deux squelettes sur toi. Là, tu les as un peu distancés en courant vers Daniel. Il y a bien deux squelettes sur toi. Bonbonne, Kaolo, que fais-tu ? Moi, je perds pas de temps, je recharge de nouveau les canons. Sait-on jamais si l'autre saloperie revient. Quand la DJ a gueulé, je me suis retourné, j'ai vu ce qui se passe sur la plage et j'ai gueulé pour qu'il redouble d'efforts à la rame et je repars vers la plage, forcément. Très bien. Ben, pour savoir combien de temps tu vas mettre, tu vas me refaire un test de corps action pour naviguer jusqu'à la plage. Corps action artificiel. Très bien. Tu vas arriver assez vite, il te faudra que 2 tours pour arriver. Pour recharger les canons, tu te mets à recharger les canons. Pareil, si tu veux aller plus vite, tu peux faire un test. En tout cas, la mer est calme. La créature semble s'être absente. Elle semble avoir fui pour l'instant. Donc, si tu fais un test pour essayer d'aller plus vite, c'est de faire un test de. Artillerie. Donc, commandement artillerie. Oh, y'a quelqu'un ? Oui, j'attendais ton test d'artillerie en fait. Ah, pardon, excusez-moi. Je croyais que j'avais bugué. Ah, ouais. Moi aussi, j'entendais plus rien, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe ? Attends. Correction. Oui, après. Artificiel. Oh, ça sera très rapide le prochain tour. Il faudra que un tour pour charger les canons. Tout le monde est plein d'entrain. Ruby. Oui. T'as deux squelettes qui, quelque sorte, viennent vers toi. Et Daniel fait face et continue à hurler un peu comme un hystérique. Tuez-les! Bah, j'essaye d'attaquer Daniel. Eh bien, vas-y. Mais je vais le blesser. Enfin, pour l'instant, oui. Je vais le blesser. Tu veux pas le tuer, j'ai bien. Oui. C'est encore action. C'est surnaturel ou pas ? Non, c'est humain. Ah, mieux. Plus 1 en arme blanche. C'est si arme blanche, hein, de toute façon. Si t'as attaque à dague, tu fais un test de dague. Ouais, corps action humain. Oh là là. Vous croisez le fer, hein, mais finalement, ce Daniel te surprend, hein, puisque il reste quand même, comme je t'avais dit, très vif dans ses mouvements. Très surprenant et arrive même à t'entailler. Perd un point de blessure. Yes. Alors, ma chère Lys, que fais-tu ? Ouais, bah moi je sors ma vieille pétoire là que j'avais à la ceinture et je tire sur un des squelettes pendant que je tente de repousser l'autre avec ma dague. Bien sûr. Je t'invite à faire le tir de pétoire déjà dans un premier temps. Un test d'arme à feu. Et j'essaie d'aller vite. Bah, si tu veux faire les deux attaques, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Il faut essayer d'aller vite. En fait, la rapidité, ça te permet de pas avoir le malus de moins 1. Ah, par contre, j'ai. Ah, voilà, parce que j'allais te dire, j'ai oublié le malus de moins 1. Ben,
T'as pas de malus de moins 1 si tu utilises de la rapidité. Et bah, tu fais une belle réussite. Alarme feu. Donc, MR6. T'as utilisé que de la rapidité. Hein. Oui. Ton tir arrache plusieurs côtes et un morceau d'omoplate. Le squelette et celui sur lequel t'as tiré a l'air quand même très mal en point. Mais c'est le problème des squelettes, c'est que ça les arrête, ça ne semble pas les arrêter. Malgré son état lamentable, je demande encore comment les os tiennent encore entre eux, du moins sur celui-ci. Et ils essayent de te griffer, de te lacérer, mais sans succès. Tu arrives à te débattre de ces créatures. À bord, par contre, ça va peut-être sauver. Donc c'est sur Ubi. Il y a deux tirs qui partent de la chaloupe. Alors que tu, Kaolo, tu rames, hein, puisque vous avez pris des gens qui. Il y a Tastin et Maria qui sont à bord, que vous embarquez pour faire la chasse. Hein. Donc, et, qui ont des mousquets. Et, largement à portée, ils font feu. Si Maria a raté, Tastin lui touche et fracasse un crâne d'un squelette qui s'approchait de toi, Ruby. Son crâne a explosé et il continue à avancer, mais le squelette n'a plus de crâne. Pareil, il me semble plutôt mal en point. Kaolo, vous arriverez à la plage au prochain tour et tu pourras faire quelque chose à moins que tu essaies de faire autre chose. Mais au pistolet, la portée va être longue. Encore. Ouais, non, je continue à ramer comme un damné. De ton côté, mon cher Bonbonne, les canons se sont vite rechargés. Et que fais-tu? Du coup, il y a. Comment il s'appelle? Le Kraken. Il fait quoi lui? Il s'est complètement tiré. Ah, il revient même pas, rien du tout. Tu le vois plus là. Non. La vigie, Gris, n'a pas l'air de mentionner. La vigie montre désespérément vers la plage, mais. N'indique pas un retour du Kraken. On arrive à distinguer les silhouettes sur la plage ou pas? Ah oui, bah, c'est 50 mètres. Hein. Entre 50 et 100 mètres. Ouais. Et on arrive à savoir qui est du bord et qui ne l'est pas? Ah bah t'arrives à voir un squelette et tu vois, ouais, ils sont un peu maigrichons. Quoi. On peut potentiellement tirer au canon directement sur la plage alors. Ah, au canon, les cibles, ça va être compliqué de... d'être précis avec un canon. Parce qu'ils sont en train de se battre au corps à corps. Ah oh, bon, je mets de la mitraille. Ça, je touche tout le monde. Voilà. bah, yes, le boulet, si t'as vraiment de la chance. Que fais-tu? Moi, de mon bateau, si j'ai pas de chaloupe, je peux difficilement faire quelque chose. Bah, j'attendais. Du mousquet? Ah bah oui, alors, du coup. Si... Ah bah oui. Oui, bah alors je tire depuis le bateau avec le mousquet. Un mousquet, tu peux tirer jusqu'à 150 mètres. Ah oui, oh bah vas-y, je tire au mousquet mais sur la plage. Et après, à 150 mètres, t'as moins 4. Là, on va dire que t'es à portée loin, 60 mètres, t'as moins 2. T'as moins 2 en fait. Ah ok, bah je vais tirer alors du coup avec moins 2. Vas-y. Sur lequel tu tires? Complètement au hasard, sur lequel je tire de là où je suis. Ah, d'accord, j'ai jeté un dé pour savoir, tu tires, vas-y. Je tire sur l'iste. Non, mais sur un squelette. Tu as un moins 2. Et suspense. Donc c'est corps, action, surnaturel, la cible. J'ai juste oublié de mettre le moins 2. Oh, ça va être magnifique. Oh, je le sens. Ah! Échec. Ah, pas de beaucoup. Tu tires.
Hélas, la balle fuse. En fait, t'avais bien visé, mais t'as visé le même que Tastan. Et il a tiré une seconde avant toi dans la tête, et toi tu visais la tête, et en fait, quand ta balle est passée, il n'y avait plus de tête. Merde. Zut. Zut. Par contre, Ruby, que fais-tu? Ah bah clairement, il m'a énervé là, le perforas. Je vais le... Vas-y. Tu l'attaques, donc tu as un moins, hein. Parce que maintenant, t'as un squelette qui t'arrive sur le paletot. Heureusement, le perforas n'est pas en forme. Ni le squelette. Donc c'est dague, tu fais dague, action, corps, action, humain. Toi, t'as ses... Et hélas, vous croisez le fer au lame centre-choc. Mais ni l'un ni l'autre n'arrivait à prendre le dessus sur l'autre. Lisse. Bah moi, je donne tout sur celui qui est vraiment en mauvais état, quoi. Je vais m'en débarrasser. Et j'essaye de me mettre en opposition avec l'autre, quoi. Bah, vas-y. Du coup, dague. T'invite à faire un coup de dague. Et puis, je peux remettre de la rapidité. Je fais la même manœuvre, en fait. D'accord. Si tu rajoutes des rapidités, tu peux. Rapidité, comme j'ai dit, ça te... Ça t'enlève le malus de ton adversaire. Culé, c'est pas vrai. Ben, non, mais nous, on est nuls hein, sur la plage. Pourquoi t'as... Si. Pourquoi? Ah oui, je gagne quand même, vite. Grâce à mon point. Ah oui, ouais. Mais bon, c'est minable, quoi. C'est... Réussite de 1, et ben, tu le touches, c'est suffisant. Tu vois, donc, lui il a une MR, il avait réussi, mais avec une MR de 0. Et donc, tu le touches et celui qui était si mal en point, t'arrives avec ton coup de dague à le lacérer suffisamment. Ses os tombent en miettes et en poussière et s'écoulent sur le sol. Bah, j'ai hurle de dépit d'avoir réussi, mais c'est difficilement. Kaolo, ta chaloupe touche le sable. Aussitôt, ceux qui sont à bord sautent à l'eau. Hein. Tastan, Maraya, Juan et Fat se précipitent à l'aide de compagnons. Et toi-même, que fais-tu? Moi, clairement, ma cible, c'est le vieux. Donc, tu te précipites sur le vieux. Bah, je t'invite à faire une attaque. Pour l'instant, Ruby est en dessus et il y a un squelette. Et tu vas avoir un moins. Hein. Ok. Et il y a encore deux squelettes. Mais pareil, sur le vieux. C'est 2 contre 3 pour l'instant. Mais voilà. J'utilise sur lui, c'est à coup de poing. Je veux pas le tuer. Donc ça va être de la bagarre. Et tu nous enlèveras des points de souffle. Attends, tu m'as dit moins 1 ? Oui. Et je dois enlever des points de souffle ? Bah, si tu réussis, ça, les dommages se feront sur du point de souffle. Ah, sur lui, tu veux dire ? Ouais. Oui. Ok. Ah, enfin, un endroit où il est bon. Oh, il est... Capitaine ! Tu réussis, tu le frappes, mais ouais, de justesse, en fait. Tu le frappes vraiment de justesse. Il est touché et je pense que tu l'as sonné un peu, mais vraiment qu'un tout petit peu. Ok. À bord de son navire, résistance au vieux. Mon cher, alors, je vais faire un jet pour savoir. J'aime bien faire des jets dans mon temps. 42. Très bien. Si tu veux, tu peux tu peux avoir un mousquet. T'as un mousquet chargé à porter dans le navire. Si tu veux. Je m'en saisir. Recharger, si tu veux saisir un mousquet. Parce que vous étiez quand même prêt pour le combat. Et j'avais dit, j'avais lancé les dés. J'ai fait 42 et t'avais 50% de chance qu'il y ait un mousquet à porter.
Bah, je tends celui que j'ai à un des mecs qui recharge le temps que je tire. D'accord. Je vais tirer sur la plaque. Toujours pareil, y a rien qui change. Non, t'as toujours moins 2. Enfin, c'est la distance hein, qui te donne un malus. Faut juste que tu fasses pas un critique. Ah, tu veux dire ce que percer le deuxième œil à Kaolo et un capitaine aveugle, c'est compliqué. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, quoi. Voilà. Un 12. Merde, attention. Oh, je vois un. Échec. Dans deux, tu tires encore, décidément, la distance. La distance fait que. Je vous rappelle, vous avez de l'héroïsme. Vous pouvez utiliser les compagnies. Sauf que c'est vrai, genre, il y a eu pas mal de souffle utilisé du côté de Bonbonne pour charger les canons. Ma chère Lys, il y a du monde qui. Il y a Maria qui vient à ton aide. Mais elle va pas être d'un grand aide. Moi je fracasse, puis, bah, moi je me lance derrière. Il va pas être d'un grand aide, sauf que si tu attaques le squelette qui reste contre toi, t'as un plus 2. Si tu choisis une autre cible. Puis... Non, je vais essayer de les éliminer un à un. J'ai un plus 2. Ouais. Et lui il va avoir un moins 2, donc ça fait pas lourd. Oui, ça fait pas lourd. Et mon 10, mais il marche cette fois avec MR3. C'est incroyable, j'ai fait des 6 dans tous mes lancers, je crois. Très bien, bah, tu le blesses. Juan arrive, se précipite sur le squelette. Donc Juan se précipite sur l'un des squelettes et le blesse, tandis que notre cher Tastin, lui, n'est pas du genre à sortir une épée, il sort à nouveau l'un de ses pistolets et fait feu contre le squelette qui a plus de tête. Brise carrément l'os du bassin du squelette qui tombe en miettes. Et l'un des squelettes est éliminé, il ne reste plus que deux squelettes. Vous commencez à être nombreux sur cette plage. Ma chère Ruby, que fais-tu? Il en reste un qui est au corps à corps avec moi et Kaolo, normalement. Entre... Oui, il y a Dan... Alors, en fait, là, tu es... Non, tu es... Toi et Kaolo contre Daniel. Ah, il n'y a plus de squelette. Si, avec... mais il se retrouve contre Juan. Ah, d'accord. Bah, je vais... Et sans doute, très vite aidé par ta... Tastement. Je vais taper un squelette qu'il y a dans le coin. Celui qui est au prix avec Juan, le capitaine, je pense. Très bien. Je les ai brouillés avec Daniel. Fais confiance. Du coup. T'as un plus 1. Et lui, il va avoir un moins 20. Et. C'est le premier que je réussis depuis que je suis sur la plage. Et. Bah non, c'est le deuxième. Je lui ai déjà fait une égratignure. Et tu réussis, et lui il rate, donc tu le blesses, tu lui fais à la dague, hein, donc tu lui fais une estafilade. Kaolo. Ah, moi je m'acharne sur le vieux, mais. Tellement la rage qui nous est. Pour moi, là, il nous a amené dans un traquenard que j'y fous toute ma rage et j'y mets 2 points de puissance. Très bien. Donc, 2 points de puissance en plus. Donc, c'est un critique. Tu vas me lancer. 3d6. Ça va changer grand chose. Il a pas dit qu'il voulait pas le blesser. Ah ouais, mais c'est pas le tuer. Je veux pas le tuer. Tu lui décoches un crochet du droit. On dirait Mike Tyson. Et mais blanc et avec un œil. Et le vieux décolle en arrière. Vole un instant et un moment.
se pose avant qu'il s'écroule sur le sable noir, immobile, complètement KO. Ce que tu espérais faire, ça ne change pas grand chose dans l'immédiat, puisque les squelettes semblent continuer à agir. Heureusement, l'un d'eux, et celui le plus près de vous, est exterminé par de nouveaux Tastin, puisque Rouen rate lamentablement son attaque, et Tastin fait feu. Et ça va être la même chose. Tu peux faire un gel, Lys, t'as plus 2. Yes. Si tu sens en veine. Je me sens grave en veine. Le squelette a moins 2 et donc il rate. Forcément, c'est qu'un squelette, hein. C'est pas très vif. Ils abandonnent pas, mais c'est pas très violent. Ah, le dernier coup est bon. Et tu le fracasses. Le crâne de ta dague. Tu descends tout le long de sa colonne vertébrale et de sa cage thoracique, brisant chacun de ses os et transformant cette créature en petit tas d'osselets inexistants. Et tous les squelettes se transforment finalement en comme en poussière, se mélangent au sable. Et puis finalement, suite à ça, Daniel est inconscient et finalement les vagues et le bruit de la mer reprennent leur droit et tout est calme. À bord, la vigie, la flamme hurle à la vigie. Vois-tu autre chose? Est-ce que la créature revient à la charge? Il y a le mousse. Non, il n'y a plus rien. À la fuite. Que faites-vous de votre côté? Peut-être Bonbonne qui est à bord. Que fait-il? Moi, je me pose parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, on a quand même affronté un truc. Bon, c'est toujours pas vraiment ce que c'est, quoi. Même si on en a bien une idée. C'est bien la première fois qu'on avait tous vu ça, je pense. Personne, aucun de vous n'a jamais vu ça. Alors si, vous l'avez vu en plus petit. On pouvait le manger en soupe. En plus petit, vous en faisiez de la soupe ou des salades, mais là... aussi gros, non. On n'a même pas coupé un tentacule pour le repas du soir. Non. Bah moi, de mon côté, je vais traîner Daniel par sa chemise. Et je vais lui mettre la tête sous l'eau pour le réveiller et je le ressors. Très bien. Ah, moi je suis avec toi, je mets des grandes baffes. Moi je suis à côté de lui aussi. Ah ben, vous allez faire tous les trois un test de perception, action, corps, pardon, corps perception surnaturel pour les deux. Ouais. Tous les trois surnaturel. Vous pouvez, mais je crois que personne là, mais vous pouvez arriver un peu observation. Mais ouais. Réussite très bien. Réussite très bien. À part ça, tombe bien. Vous voyez pas la même chose. Ah mince, j'ai oublié d'ajouter observation. J'avais 1 en observation. Ça ne change à rien puisque t'as fait 10. 10 sur 8, ça aurait été fait. Échec avec ME2. En fait, vous remarquez pas la même chose. Kaolo, toi, alors que tu le traînes un peu les cheveux, le bras, pas par où tu peux, et tu le tenais à un endroit par son bras, et où il avait une violente entaille qui saignait, faite par Ruby. Et alors tu te prépares à le mettre sa tête sous l'eau, tu remarques avec étonnement que elle a déjà cicatrisé. Ouais. La blessure. Toi, Ruby, alors qu'il les traîne par terre, sa barbe, Lys, sa barbe se décolle un peu de son veston et
Tu remarques autour de son cou, en fait, il est un peu caché dans sa barbe, voilà. Une chaîne avec un objet un peu étrange et ton instinct de beau corps te dirait que ça c'est un gad qui il est en train de qui porte autour de son cou. Oh punaise. Il a un gad. Après, c'est très souvent, hein. Je vous rappelle que des pirates ont des gars, hein. Pratiquement tout votre équipage, ils en ont tous un. Ouais. Après, vous. Voilà. Il a l'air. Non, comme ça, à vue de nez, je sais pas. Bah, il faudra que tu l'examines de plus près. Ouais. Là, il est inconscient, hein. Donc, à toi de dire ce que vous faites. Bah, moi, je suis arraché, je regarde. Clairement, son gad, c'est une chaîne en argent, semble-t-il. Et pourtant, c'est pour ça peut-être que tu l'as repéré. Et ça, en pendentif, c'est un petit objet en bois qui représente une pierre tombale. Et tu remarques clairement que dessus, il y a le VV, il y a un VV du Baron Samedi. Ah ouais. C'est possible que ce soit ça qui le maintienne en vie. Enfin, si, vu que non, alors c'est non, alors non, parce que ben possible oui, ça voudrait dire que tu serais face à un gars quand même super puissant. Quoi. Ouais. Là à ce point là. Bah toi t'as pas voilà à ce point là qui pourrait être aussi vieux grâce à ça. Ça reste tu restes sceptique quoi. Pas avec un gars quoi. Ok. Bon bah du coup je vais pour lui enlever, maintenir la jeunesse éternelle, faudrait faire un rituel régulier, tu vois, et vraiment vendre son âme à un loi, c'est plus compliqué que ça quoi. Bah du coup je mets son gars dans ma sacoche et je lui mets des baffes pour le réveiller quoi. Tu remarques que le gars il est fêlé un peu au milieu de la pierre tombale d'ailleurs, comme s'il avait été quand même un peu altéré. De toute façon une fois que Kaolo, hein, si tu maintiens ton action de mettre sa tête sous l'eau, forcément au bout d'un moment il tousse, il a sa barbe dégoulinant d'eau de mer. Puis tous et puis Erican. Moi direct je m'approche de lui et je sors ma dague et je lui mets sous enfin près de la joue, donc très proche des oreilles, et je dis maintenant tu vas te mettre à table, sinon quoi, bah ça va très mal se passer pour toi mon vieux. Je peux te garantir que j'ai plusieurs techniques. Surtout sur les personnes qui cicatrisent vite. Il continue à rigoler en fait, de ricaner au nez. Tu vas me faire un test d'intimidation. Donc tu vas ça se trouve, ses oreilles repoussent, Ruby. C'est encore mieux. Un cœur plus action, plus humain, est un malus de moins 3. Un talent, un truc. Non, j'ai rien. Non, il n'y a pas de talent de torture. C'est dommage. Ah. Bah, même en fait, quand tu passes à l'acte, en fait, le problème, c'est que ça n'a pas l'air de lui faire spécialement. Enfin, en tout cas, tu vois qu'il ricane, alors je pense que ça t'énerve un peu. Tu lui entailles sa joue. Ça, enfin, sans doute que ça lui fait mal, mais ça a l'air quand même de lui faire beaucoup moins mal qu'être mal normal. Que la moyenne, qu'en fait. Et puis, effectivement, assez vite, comme Kaolo, tu remarques que ça cicatrise. Alors, ça laisse une marque, ça laisse une cicatrice, mais. Après,
Apparemment, au moins, ce genre de menace, ça n'a pas l'air de forcément le toucher. Après, que faites-vous ? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu fais, Kaulo ? Capitaine. Après, effectivement, pendant la scène un peu de violence, Kaulo peut me faire un corps perception, c'est ce qu'il préfère, humain. Je t'accorde un bonus de plus 1, quand même. Parce que t'as que un... Non, parce qu'il observe la scène de près. Et quelle machine. Ah, quelle... ah, tu sais pas quoi, mais effectivement, tu penses que il est peut-être pas si imbrisable que ça. Malgré son attitude vis-à-vis de la situation avec Ruby. Et tu penses simplement que c'est pas la bonne solution. Après, sur une réussite de 1, je te dis pas plus, mais voilà. Apparemment, torture physique, ça n'a pas l'air forcément, c'est peut-être pas ce qui le fera. Il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Il faut l'amener dans l'eau là pour le libérer au Traken, non, capitaine? Ça y est. Montre-lui ce que tu lui as pris. Je suis ton joli collier. Non, c'est à moi, c'est à moi. C'est mon fétiche, c'est à moi. Non, je vais le lancer dans l'eau. Ça sera bien mieux là-bas. Non, non. Tu vois que quand tu dis ça, il regarde derrière vous, il regarde le sable en fait. Non, non, non. C'est à moi. Ah, mais c'est ça qui t'empêche d'être attaqué par tes petits copains, c'est ça? Rendez-le-moi. Et puis il regarde derrière dans la jungle. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Moi, je scarifie le bras, j'aime bien. Tu sais, genre, je me détends dessus, je fais des dessins. On peut aller voir, tu vas passer devant. Non, 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 ils ont peut-être... Il y en avait que 4. Ils sont où les 6 autres? Ils sont 10 au moins 10. On va aller les chercher. Puis on va voir si qu'ils vont attaquer maintenant que t'as plus ce petit collier. Et il regarde autour de lui, toujours un peu apeuré, hein, comme si d'autres squelettes allaient éventuellement sortir de terre ou autre chose. Non, ils doivent être 10. Non. Allez, crache ton histoire, hein, si tu veux pas finir déchiqueté par tes amis squelettiques. Puis ça pourra durer longtemps, vu comme tu guéris vite. Là, je suis toujours en train de faire un morpion sur son bras, avec ma dague. Ruby, t'as des problèmes, hein, je pense. Bande de cinglés. Je vais faire un cœur action, ma chère Lys, humain, et t'as un plus 1. Kicker, action, non. De toute façon, il va faire 10. Non, mais non, pas, c'est regarde. Fini, 6. Regarde. Je l'ai refilé à Ruby. Ouais, c'est net. Ouais, mais je vais vous raconter. Il retire son bras quand même. Ah. Je vais tout vous raconter. Bout sur le sol. Il est bien là, le trésor. Il montre du doigt le volcan. Et il est dans la faille. Puis effectivement, en regardant bien où il montre, vous voyez le volcan, vous voyez qu'il y a un genre de crevasse, comme une fissure au sein du volcan qui remonte assez haut. Et c'est là-bas qu'on l'a laissé. J'avais fait un pacte. Un pacte avec Dambala et Vedo et aussi avec le baron Samedi pour enfin avoir la réussite, une réussite. J'en avais assez d'être un capitaine raté. Capitaine, qu'on se moquait en disant que la baleine bleue revenait toujours à vide.
Non, cette fois, je devais ramener avec quelque chose. On a fait les rituels. Et... on l'a eu. On l'a eu. Notre promesse. Et j'ai payé le prix. J'ai payé très cher. 10 hommes au baron. Et puis l'or. L'or comme promis. Pour Dambalavedo. Mais voilà. Agoué était mécontent. C'est par sa faute, mon navire s'est échoué sur cette île maudite. Et voilà, tant de temps à expier, me retrouver emprisonné ici. Ben oui, mais tu t'es lié dans un pacte insoluble avec Deloa, mon pauvre ami. Parce que il dit pas tout, ça tu sens, hein, ma chère Lys. Mais ce que tu comprends, tu penses que tu fais la liaison effectivement entre les informations que vous a donné à Goué. Tu penses que effectivement à Goué, Agoué mécontent. Alors est-ce que c'est seulement sur cet homme ou sur la région, tu ne sais pas, mais effectivement il y a une malédiction et cet homme en est responsable et ça doit être en rapport avec ce Kraken. Vous comprenez tous que dans ses propos, car là il ne parle plus en tant que Daniel, mais bien qu'il est lui-même le capitaine, et il parle de son bateau, de son équipage, et vous comprenez que cet homme n'est pas Daniel de vrai, mais Johan de Salaire, et donc le capitaine de la Baleine Bleue. Sans douter un peu. Et surtout, à ce moment précis, toi, Bonbonne, à bord du navire, la vigie crie « De la fumée ! De la fumée !» Puis la flamme lève la tête. La fumée où ? On a bien vu le volcan. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de tremblement de terre. Arrête de paniquer, le mousse. Il crie, non, non, de la fumée dans la jungle. Et quand vous vous tournez à bord du bateau, vous êtes plus éloigné que ceux à la plage, effectivement, vous voyez de la fumée. Peut-être la fumée d'un feu de camp quelconque. Mais effectivement, elle ne vient pas de la montagne, mais bien de la jungle. Apparemment, vous n'êtes pas seul sur cette île.